Voilà, ça ira mieux. Donc c'est une définition à connaître et un théorème qui nous donne le fait que ça va converger vers une limite L. Donc c'est un nouveau résultat de convergence de limite et c'est un cas un tout petit peu particulier. Faut le comprendre, c'est en général pas très dur à faire. C'est fortement lié aux sommes, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait avant les vacances, parce qu'en fait on va faire aussi un exemple, dès qu'on aura fini le chapitre sur les sommes, de suites qui sont adjacentes mais qui sont écrites avec des sommes. Donc l'idée, c'est qu'on vous donne de suite UN et VN, et c'est assez simple comme idée. C'est on vous donne qu'une suite va être croissante, l'autre décroissante, donc c'est ce qui est marqué dans la définition, hein. On a une suite qui est croissante, l'autre décroissante. Donc par exemple, je vais faire un dessin comme ça, et il faut en plus qu'une différence que UN-VN tende vers 0. Donc imaginez, vous faites une suite décroissante. Donc là, en bleu, je vous fais VN, par exemple, qui est décroissante. En rouge, je vais vous faire UN qui est croissante. Donc on aurait un truc comme ça, pour UN. Et il faut que la différence des deux, et c'est surtout cette deuxième caractéristique qui fait tout, il faut que UN-VN tende vers 0. Déjà, j'ai une première question qui est... Je vais faire un dessin d'une autre couleur, mais qui est complètement faux. Est-ce que les suites peuvent faire ça? Est-ce que UN peut faire ça et VN peut faire ça vers le bas? Est-ce qu'elles peuvent se croiser, ces suites? Si elles se croisent, puisque l'une est croissante, l'autre décroissante, elles peuvent plus... celle qui a monté ne peut plus redescendre et celle qui a descendu ne peut plus remonter. Vous êtes d'accord avec ce principe-là? Ce qui veut dire que si à un moment elles se croisent, par exemple quand je suis ici, l'écart qui est là devrait rester fixe. On ne pourra jamais avoir un écart plus petit que celui-là. L'écart va forcément continuer à augmenter. Donc pour que la différence des deux tende vers zéro, il n'y a pas le choix. Elles ne peuvent pas se rattraper ces deux suites. Et celle qui est décroissante doit tout le temps rester au-dessus de celle qui est croissante. Et l'autre doit tout le temps rester en dessous. Ce qui veut dire que cette complétion que j'ai fait là en bleu clair, elle est complètement fausse. Je vais l'effacer. C'est juste pour vous expliquer. Et donc ce qui doit se passer en vrai, je suis là, c'est plutôt que cette suite-là, bah, elle va continuer à décroître sans jamais passer en dessous de la rouge. Et la rouge va continuer à croître sans jamais passer au-dessus de la bleue. Ce qui veut bien donc dire... Alors ça, c'est la définition des deux suites. Et puisque la différence des deux tend vers 0, il y a bien une valeur ici limite entre les deux. J'essaye de suivre sur mon quadrillage. Qui s'appelle L. Et qui va être la limite commune des deux suites. Donc ça, c'est le théorème des suites adjacentes. Si UN et VN sont deux suites adjacentes, c'est-à-dire une est croissante, l'autre est décroissante, et la différence des deux tend vers 0, alors ces deux suites sont convergentes. Et elles convergent vers la même limite L. Voilà pour ce théorème. Juste par analogie, on a deux autres théorèmes qui permettent de trouver des limites de suites qu'on connaît déjà. Sur les suites, ce qu'on a vu avant les vacances, il y a le théorème de la limite monotone. Et en gros, moralement, le seul autre théorème à part les suites adjacentes qu'on rajoute aujourd'hui, il y avait le théorème des gendarmes. Pour moi, ce théorème des suites adjacentes est plus similaire à l'un des deux qu'à l'autre. Il est plus similaire auquel des deux autres théorèmes et pourquoi? Hugo? Parce que tu as une sorte d'encadrement, c'est pour ça que tu vois ça comme ça? Bah justement, pour moi, non, il n'est pas similaire au théorème des gendarmes parce que le théorème des gendarmes, on en avait parlé avant les vacances, c'est le moment de reprendre ça, il a une propriété particulière. C'est quand vous appliquez le théorème des gendarmes, qu'est-ce que vous connaissez pour la limite de la suite? Kautar? La limite. Oui, donc les suites qui sont aux bornes, on va vraiment en trouver la limite. C'est-à-dire que ce que j'avais dit à l'époque, le théorème des gendarmes est un théorème que j'appelle constructif. Le théorème des gendarmes vous donne la valeur de la limite. Le théorème de la limite monotone, il ne faut pas faire l'erreur, si vous avez une suite croissante majorée, elle converge. Est-ce que vous connaissez la valeur de la limite? Absolument pas. Le théorème des suites adjacentes, c'est la même chose. Elle vous dit, si une est croissante, l'autre décroissante, et que la différence des deux tend vers 0, alors les deux suites vont être convergentes. Est-ce que vous connaissez la valeur de la limite? Est-ce que vous avez la moindre information sur la valeur de la limite? Aucune. C'est un théorème de convergence non constructif. Vous ne connaissez pas la valeur de la limite. Pourquoi je vous précise ça? Ça dépend de la question qui est mise dans un sujet.
Mais si la question c'est montrer que la suite converge, il est probable que c'est sûrement un théorème non constructif. Donc soit théorème des suites adjacentes, souvent dans les sujets, vous sera demandé de prouver qu'elles sont adjacentes. Donc il n'y aura pas trop la question à se poser. Mais si on vous demande juste de prouver la convergence, c'est souvent le théorème du coup de la limite monotone, parce que c'est non constructif. Et à l'inverse, si on vous demande de trouver la valeur de la limite de la suite, c'est plutôt souvent un théorème des gendarmes parce que là c'est constructif. Deuxième chose, comment on prouve ce théorème des suites adjacentes? On va pas faire la preuve formelle, mais pourquoi il est non constructif? Parce que sa preuve, elle passe par le théorème de la limite monotone. En fait, si vous regardez mon dessin, je prends la suite Vn. C'est une suite qui est décroissante et qui est minorée, par exemple, par U0. Elle passera clairement jamais en dessous de U0, cette suite, vu qu'elle sera toujours au-dessus de la suite Un. Et U0, c'est une constante. Donc on a une suite décroissante minorée par U0, on sait qu'elle converge vers une première limite L1. Je fais l'autre suite. La suite Un, elle est croissante et elle est majorée par V0. Donc elle est convergente par théorème de la limite monotone vers une deuxième limite L2. Et maintenant, je sais que Un-Vn tend vers 0. Donc je sais que L1-L2, ça doit faire 0. Donc elles ont donc la même limite. Donc ce théorème des suites adjacentes, c'est juste deux applications bêtes et méchantes du théorème de la limite monotone. Donc il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais... c'est une nouvelle définition, il faut savoir ce que ça fait, c'est-à-dire que si on vous demande de prouver que deux suites sont adjacentes, il faut prouver les deux points, enfin les trois points, une croissante, l'autre décroissante, et la différence des deux tend vers zéro. Et une fois que vous avez ça, vous savez instantanément qu'elles convergent. Faisons un exercice pour expliquer ça, et après on passera au chapitre sur les sommes. On va faire un truc assez simple. Ça implique quand même une somme, mais tant pis. Ça fait apparaître une somme, mais de façon assez simple. Ah mince, j'ai encore fait une bêtise. On refait. C'est en image que je le fais. Hop. Wow, 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 du calme. Alors, hop. Donc, on fait l'exercice suite du poly. On vous donne une suite UN qui est définie d'une part. Bah, le premier de la suite UN, elle est définie par une somme. C'est la somme des 1 sur K factoriel. La suite VN est définie par VN, c'est UN plus 1 sur N fois N puissance N. N factoriel, y a un souci juste. Je me rends compte dans mon énoncé, mais c'est un tout petit bug, il faut modifier. Ces suites, on va les définir uniquement à partir de n égale 1. Donc vous pouvez définir qu'elles sont dans pour n appartenant à n étoiles. C'est-à-dire qu'on va commencer à U1 et à V1. Pourquoi on commence à U1 et à V1? Je vais avoir un petit problème pour définir V0 à cause du n qui est là, en fait. Tout simplement. Mais ça, ça ne change pas grand-chose. Donc montrer que ces deux suites sont adjacentes. On doit donc montrer que l'une est croissante, l'autre est décroissante. Ça, je vous invite, mais ça c'est complètement au brouillon et ça n'a pas à apparaître sur votre copie, je vous invite à tester très rapidement au brouillon de savoir laquelle va être croissante et laquelle va être décroissante pour que vous sachiez, vous ayez une conscience derrière de ce qui va se passer. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire cette étape-là. Mais je vous invite à le faire si c'est très rapide en 2 minutes pour essayer d'être sûr de ce que vous devez prouver. Donc il suffit de faire par exemple une des suites. Moi ce que je vais faire c'est par exemple calculer U1. U1 ça fait la somme pour K égale 0 jusqu'à 1 des 1 sur K factoriel. Oui Hugo? C'est un 0 dans l'énoncé que vous avez fait à la place du N. Je vais pas mettre un 0 au dénominateur. C'est juste pour dire pourquoi j'ai défini mes suites sur N étoiles. C'est parce qu'il y a un N au dénominateur. Donc je peux pas définir U0. Donc c'est pour ça que je commence à U1. Mais donc vous devez savoir que cette somme, ça fait 1 sur 0 factoriel plus 1 sur 1 factoriel. Vous devez savoir que 0 factoriel par convention, ça fait 1. Donc U1, il fait 2. Donc par exemple, je vais calculer U2. U2, c'est clairement la somme pour K égale 0 à 2 des 1 sur K factoriel. Et donc ça, ça fait 1 sur 0 factoriel plus 1 sur 1 factoriel plus 1 sur 2 factoriel.
Et je vais aller un tout petit peu vite. Ça fait 2 plus 1 demi. De ces deux petits calculs que vous n'avez pas à mettre sur votre copie, qu'est-ce qu'on peut en déduire s'il faut prouver que les deux suites sont adjacentes? Laquelle va être croissante, laquelle va être décroissante? Benjamin? La suite U va être décroissante alors que la suite V va être croissante. Non, l'inverse. Voilà, le fait que j'ai calculé U1 et U2, ça permet de vérifier que U2 est plus grand que U1. Donc si ça ne prouve pas que la suite est croissante. Mais si la c'est forcément s'il y en a une qui est croissante, c'est la suite UN. Et dans ce cas-là, il va falloir prouver que l'autre suite VN est décroissante. Donc je continue mon brouillon. Cela permet de voir. Qu'il faut prouver UN croissante et VN appartenant à une étoile, pardon, décroissante. Donc, encore une fois, pas du tout, si vous maîtrisez tout ce que vous faites, ne faites pas cette petite étape au brouillon, c'est de la perte de temps. C'est juste pour que vous soyez sûr de ce que vous devez conclure comme argument. Et donc, si vos arguments vont dans l'autre sens, c'est qu'il y a un problème. Donc ça, c'est juste pour vous permettre d'avoir une preuve un peu plus claire et un peu plus classique derrière. Donc allons-y, on sait ce qu'on doit faire. Faisons la preuve de la première. On doit prouver que UN est croissante. Pour prouver que UN est croissante, on va faire le calcul classique. On va faire le calcul de UN plus 1 moins UN et on va montrer que ce calcul est positif. Donc si j'écris UN plus 1 moins UN, ça fait la somme pour K égale 0 à N plus 1 des 1 sur k factoriel moins la somme pour k égale 0 à n des 1 sur k factoriel. Je dois déterminer le signe de cette somme. C'est pas le signe d'une somme, c'est pas facile, surtout qu'il y a un moins entre les deux. Donc il faut qu'entre guillemets je la transforme en produit, il faut que je simplifie mon calcul. Il y a une idée qu'il faut savoir maîtriser sur les sommes. Oui, Louis. Oui, mais ça c'est une définition qu'on a vue avant les vacances et qu'il faut maîtriser. N factoriel, le nombre n factoriel, c'est n fois n moins 1 fois n moins 2 fois 3 petits points fois 3 fois 2 fois 1. C'est-à-dire que notamment pour un exemple simple, 5 factoriel c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et donc 5 factoriel de mémoire, ça fait 120. Donc c'est ça un factoriel. Mais ici, vraiment, c'est pas le symbole factoriel qui va nous gêner. La seule chose à la limite qu'il y a à savoir sur la factorielle, c'est qu'elle est strictement positive. On n'a rien besoin de savoir de plus ici là-dessus. Ce qu'il faut connaître, c'est plutôt les règles sur les sommes. Comment on peut comparer une somme qui va jusqu'en n plus 1 à une somme qui va jusqu'en n? On a développé quelque chose avant les vacances pour le faire, cas ou tard. C'est exactement ça. Il y a un lien de récurrence à un pas, on avait dit, sur les sommes. Donc il faut écrire ce lien de récurrence à un pas. La somme jusqu'au rang n plus 1, c'est la somme jusqu'au rang n avec le terme d'ordre n plus 1 derrière. Donc on peut le faire en deux étapes, ce calcul. Je vais faire la première étape du calcul. La première étape, si vous en avez besoin, mais elle est, je vais la mettre encore une fois entre parenthèses, vous n'êtes pas obligé. Il faut comprendre que la somme de 0 à n plus 1, c'est 1 sur 0 factoriel plus 1 sur 1 factoriel plus, et on continue et on continue. Et on va jusqu'à 1 plus sur n factoriel et on fait du 1 sur n plus 1 factoriel. Je vais garder telle quelle la deuxième somme. J'ai fait quelque chose que je ne voulais pas. Hop, c'est bon. C'est jusqu'à n, excusez-moi. Je vais trop vite. Donc dans cette étape intermédiaire, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai repris cette somme-là, qui va jusqu'à n plus 1, et je l'ai décomposée en somme en trois petits points. Je suis où? Je suis là-haut. Donc ce terme-là reprend ce terme-là. Je continue. Donc la ligne d'après qui pour moi est capitale, c'est surtout d'arriver à faire ceci. Ce que j'ai écrit en bleu ciel, c'est donc la somme pour k égale 0 jusqu'à n des 1 sur k factoriel plus le terme d'ordre n plus 1 qui est 1 sur
n plus 1 factoriel. Est-ce que vous êtes bien tous d'accord avec ce principe-là? Il faut le maîtriser. Vous ne pourrez jamais travailler sur une somme si vous ne maîtrisez pas cette petite étape-là. Donc le terme bleu, c'est ce terme-là. Et c'est là où on a tout gagné, parce que maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a fait apparaître deux fois le même symbole. On a fait apparaître deux fois le symbole somme pour k égale 0 à n des 1 sur k factoriel. Donc ce terme-là va se simplifier avec ce terme-là. Et mon calcul final va juste me valoir 1 sur n plus 1 factoriel, qui est un nombre juste strictement positif. J'ai pas besoin de plus, je sais instantanément que ma suite est strictement croissante. Oui, Hugo ? J'ai pas compris la deuxième étape. Je sais qu'au début, ça va de 0 à n plus 1, où on remplace le k par 0 jusqu'à n plus 1. Donc c'est pour ça que je l'ai écrit en 3 petits points. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Mais après, la ligne d'en dessous, je sais pas. Alors, du coup, la ligne d'en dessous, c'est deux morceaux. Ce que j'ai souligné en bleu, je le regroupe en deux morceaux. Il y a un paquet vert que j'entoure ici et un crochet. Enfin, il y a une parenthèse verte et un crochet. Ce qui joue le rôle de la parenthèse verte, c'est tout ce terme-là. En fait, ce terme-là, je le réécris en somme. Et puisque je vais de 0 jusqu'à n, ça fait bien la somme pour k égale 0 jusqu'à n d1 sur k factoriel. Et l'autre terme, c'est le crochet vert. Et donc, ça permet de voir apparaître deux fois le même symbole que j'ai barré en rouge des deux côtés. Parce que c'est deux fois le même symbole. Oui, Louis ? Exactement, non. Parce que justement, c'est l'écart de deux sommes, de la même somme avec un indice d'écart. Je l'avais expliqué là avant les vacances. On sait qu'il y a une récurrence à un pas entre ces deux sommes. Donc il suffit de faire apparaître cette fameuse lien de récurrence qui va changer à chaque somme et qu'il faut faire réapparaître à chaque somme. Non, si t'as complètement le droit de passer de cette ligne-là à cette ligne-là, il faut la maîtriser et vous avez absolument le droit de passer de cette ligne-là à cette ligne-là sans la moindre... C'est compris par 100% des mathématiciens. Est-ce que ça vous va ce principe-là? Ensuite... Alors, je remonte un peu dans mon écran juste pour voir la suite Vn. La suite Vn, c'était un plus 1 sur n fois n factoriel. Alors, donc la suite Vn, on va aller encore une fois faire Vn plus 1 moins Vn. Vn plus 1, c'est un plus 1 plus 1 sur n plus 1 fois n plus 1 factoriel moins j'ai pas mis un petit symbole fois entre les deux, je le mets ici, le petit symbole fois. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais il faut bien que vous compreniez que ce n plus 1 est séparé du n plus 1 factoriel. J'en profite pour faire une remarque que j'ai fait à certains hier et que je veux plus voir et que j'ai vu beaucoup trop dans vos DS. Ou que je vois beaucoup trop dans n'importe laquelle de vos copies. J'ai mis des parenthèses quand j'ai fait moins Vn. Ici, ce que je pointe en rouge. Les deux termes dans cette parenthèse sont de même signe à l'intérieur de la parenthèse. Je m'en fiche de combien il y aura de moins autour. S'ils sont de même signe à un moment donné, quel que soit le nombre de calculs qui va se passer, il peut y avoir 50 lignes de calcul, si ces deux termes restent entre guillemets, ils vont toujours être tous les deux de même signe. C'est-à-dire que je veux surtout pas voir un moins un plus 1 sur n fois n factoriel. Les deux à l'intérieur de la parenthèse sont de même signe. Quel que soit leur signe final, ils resteront de même signe l'un et l'autre. Qu'ils soient tous les deux négatifs ou tous les deux positifs. Donc là, il n'y a qu'un jeu de parenthèse, faut pas se tromper. Ça se réécrit. Les regrouper en deux morceaux. Ça serait écrit un plus 1 moins un plus 1 sur n plus 1 facteur de n plus 1 factoriel moins 1 sur n fois n factoriel. Alors ça tombe bien, un plus 1 moins un, on l'a calculé à la question précédente. Un plus 1 moins un, c'est ce calcul-là, et on a vu que un plus 1 moins un, ceci... D'après le calcul précédent, ça vaut 1 sur n plus 1 factoriel.
Voilà où on en est. Alors j'aime beaucoup cet exercice juste pour cette étape-là. Maintenant, je veux trouver le signe de ça et notamment, je veux montrer que c'est négatif. La méthode, vous devez exactement savoir ce qu'il vous reste à faire. La technique, je pense que beaucoup d'entre vous ont du mal à bien l'appliquer. Parce que si vous le faites mal, vous êtes parti pour des calculs infaisables. Donc là, il n'y a pas le choix, c'est un des exos où il faut maîtriser la technique pour avoir des calculs simples. Par contre, l'idée, je pense que tout le monde doit l'avoir. Je veux trouver le signe de ça. Quelle est l'idée à partir de ça pour en trouver le signe? Il n'y a qu'une chose à faire hein, pour moi, ça me paraît évident. Mathis? Pourquoi deux termes? À quoi ça va servir de mettre deux termes au même dénominateur? Alors, mais voilà, il faut mettre les trois termes au même dénominateur. Ce qui rend maintenant la technique compliquée, c'est que si vous faites votre technique brutale que certains font à mettre tous les mêmes dénominateurs, on met tout au dénominateur et on réfléchit pas, vous êtes parti pour des calculs et des factorisations ultra compliquées. Je pense que c'est un des rares cas où maîtriser la méthode de mise au même dénominateur est très importante pour aller vite en calcul. Et donc, c'est là où il faut que vous compreniez quelque chose. C'est que il faut trouver quel est le dénominateur commun le plus optimal de ces calculs. Et il est assez simple à trouver, il faut le trouver. Enfin, il est assez simple à trouver. Comment je le fais? Est-ce que je vous demande directement ou pas? Il va falloir qu'on comprenne des choses. Est-ce que quelqu'un voit c'est quoi le dénominateur optimal qu'on doit prendre si on veut tout mettre au même dénominateur et n'avoir que des puissances positives derrière? Ça, si vous maîtrisez la méthode, quel est le dénominateur commun qui se passe derrière? Cas ou tard? Insuffisant, n plus 1 factoriel. Mathis? N factoriel fois n plus 1, ça fait n plus 1 factoriel. Formule d'hier. On s'en est servi hier au tableau. Je vous rappelle un truc. On va s'en servir, donc ça, il faut le connaître. N plus 1 factoriel, on l'a vu hier, c'est n plus 1 fois n factoriel. Tiens, d'ailleurs, je vais faire une étape en plus à cause de ça. Elle est où la gomme? Elle est là. Ah oui, d'accord, je suis obligé de gommer tout le trait. Je vais vous-même vous réécrire ça comme ça parce que ça va nous servir. Ah. Ça, donc le premier terme, c'est équivalent de 1 sur n plus 1 fois n factoriel. Plus 1 sur n plus 1 au carré fois n factoriel. Moins 1 sur n fois n factoriel. Maintenant, il n'y a plus d'astuces. Vous devez voir quel est le meilleur dénominateur commun sans la moindre difficulté. Baptiste? Alors c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est une très bonne idée. Pour se simplifier la vie, on peut juste, alors pas par n factoriel, mais par 1 sur n factoriel, on peut factoriser le tout par 1 sur n factoriel pour se simplifier un peu la vie du dénominateur commun. Je suis 100% d'accord avec toi. Ça va nous aider beaucoup, ça va faire ceci. Bon, donc dans ce cas-là, maintenant, j'espère qu'il n'y a plus trop de doutes. Le dénominateur commun, c'est n fois n plus 1 au carré. On est d'accord qu'on ne peut pas faire mieux que n fois n plus 1 au carré. Donc c'est ça qu'il faut mettre au même dénominateur. Donc maintenant que vous avez vu ça, vous devez voir que ceci, le même dénominateur, le meilleur dénominateur, c'est n fois n plus 1 au carré. N'allez pas mettre du n plus 1 au cube. Vous allez vous taper des calculs infaisables pour rien. Donc je vous rappelle une technique, je le dis juste à l'oral. Pour trouver le dénominateur commun, il faut voir quels sont les termes différents et voir quelles sont leurs puissances. Et il faut prendre chaque terme différent à la puissance la plus grande auquel il apparaît. Typiquement, moi ce que je vois quand je vois ce terme-là, je vois un terme en 1 sur A. Le deuxième terme, c'est du 1 sur A au carré. Et le troisième terme, c'est pas le même, donc je mets du moins 1 sur B. Donc au dénominateur, j'ai deux termes différents pour moi, A et B. La puissance la plus grande à laquelle apparaît A, c'est A au carré. La puissance la plus grande à laquelle apparaît B, c'est B puissance 1.
Donc le dénominateur commun, c'est a carré b. Ce n'est pas a cube b. Sinon, vous allez vous avoir des calculs beaucoup trop compliqués. Donc il faut maîtriser cette technique. Si vous ne savez pas le faire, ces calculs deviennent vite infaisables pour rien. C'est une technique de quatrième. Donc, qu'est-ce qui me manque pour le premier terme pour faire apparaître du n fois n plus 1 au carré? Pour ce terme-là, je dois faire de fois n sur n plus 1 pour faire apparaître du n plus 1 au carré. Ce terme-là, il me manque juste du n en haut et en bas. Et ce terme-là, il me manque du n plus 1 au carré. Donc maintenant, j'ai mon dénominateur commun, qui va être n factoriel n, n plus 1 au carré. Et maintenant, je vais tout développer ce qui se passe en haut. J'ai du n carré plus n, moins, et je vais mettre des parenthèses, j'ai du n carré plus 2n plus 1. Alors, ce terme-là est réapparu comme ces deux termes-là. Je ne fais pas celui du milieu. Le troisième terme, c'est ce terme-là. Et il est réapparu comme cette parenthèse ici. On est bien d'accord? Alors, je vais remettre des parenthèses pour que vous voyez bien quelles sont là les parenthèses. Je rappelle que dans la parenthèse à la fin, n carré, 2n et 1 sont tous de même signe. Donc, quand j'enlève la parenthèse, ils restent tous de même signe. Donc ça, ça va me faire au final du n carré plus n plus n. Donc j'ai du n carré plus 2n moins n carré moins 2n moins 1. Je vais avoir fini. Hop, faut juste que je crée une nouvelle page. Ce calcul, ça me fait juste du moins 1, il me reste que moins 1 au numérateur, moins 1 sur n factoriel n, n plus 1 au carré. Ce nombre est donc strictement négatif, ce qui implique que la suite Vn est une suite strictement décroissante, on peut même dire. J'ai prouvé quelque chose de plus fort que ce qu'on me demande, on me demande juste croissant et décroissant, j'ai réussi à prouver strictement croissant et strictement décroissant. Maintenant, il me reste une deuxième étape à faire, et ça, ça va pas être très très dur. Pour prouver que ces deux suites sont adjacentes, il faut que je prouve que la différence des deux tend vers 0. Donc j'ai un troisième calcul à faire. Et on aura fini notre exercice. Vn moins un. Par définition, Vn c'était un plus 1 sur n fois n factoriel. Je fais moins un. Bah, c'est très facile, ça fait 1 sur n fois n factoriel. Et ça, ça tend quand n tend vers plus l'infini. Il n'y a pas de forme indéterminée. C'est juste de la forme 1 sur plus l'infini fois plus l'infini. Ça tend clairement vers 0. Donc les suites Vn et Un Ces suites sont adjacentes, ce qui m'implique qu'elles convergent donc toutes les deux et qu'elles convergent vers une même limite L, limite que je ne connais pas. Voilà pourquoi ce théorème n'est pas constructif, ça me dit que ça a une limite, mais je ne connais pas la limite. Oui, Louis. Oui. Alors. Je le fais plus bas, juste pour revenir. J'ai mis 4 lettres ici.
Mais si vous êtes capable d'avoir autant de fractions qu'il faut, et je m'en fiche royalement du nombre de fractions qu'il y a, mais l'idée, c'est vous devez regarder quelles sont les quantités différentes au dénominateur. Donc, quelles quantités différentes ? Ici, qu'est-ce qu'il y a comme quantité différente ? J'en ai repéré 4, moi. C'est fait exprès ABCD, mais vous êtes d'accord que la difficulté, si je remonte dans le calcul qui est là-haut, c'était de repérer les quantités différentes. Là-haut, ici, dans ce calcul-là, il n'y en avait que 2 différentes, même s'il y avait 3 termes. Ici, il n'y avait que 2 quantités différentes, on est bien d'accord ? Donc ici, j'en ai 4. Quelles sont les puissances maximales ? Ici, pour chaque terme, c'est quoi les puissances maximales ? C'est A carré, B carré, CD. Bah, instantanément, le dénominateur commun, c'est le produit de tout ça. Donc en fait, le dénominateur commun, c'est A carré, B carré, fois C, fois D. Et imaginez, mais si vous faites votre méthode foireuse là, imaginez la puissance du dénominateur, quoi. Vous allez vous retrouver avec du A5, du B5, du D carré et du C carré. Donc imaginez l'ensemble des puissances que vous avez en haut. Ce n'est pas faisable. Dans un calcul simple, votre technique brutale de calcul bourrin, ça marche bien. Dans un calcul compliqué, vous vous en sortirez jamais. Donc il faut maîtriser cette méthode, on est bien d'accord ? Et me dites pas que vous n'avez pas appris ça. Peut-être que vos professeurs ont abandonné le jour où ils vous l'ont expliqué, quand vous avez fait « Oh, c'est compliqué ». Mais c'est sûr qu'ils vous l'ont expliqué. Ah, mais oui, je comprends aussi qu'ils ont abandonné quand la moitié de la classe dit « Oh, c'est trop compliqué, je vais pas y arriver ». On a toujours fait la bonne méthode qui marche toujours. Oh, on a toujours fait en faisant le produit de tout, monsieur, ça a toujours marché, pourquoi on arrêterait ? Exactement comme moi je vous dis ouais, mais pour le moment monsieur j'ai appris mes 100 formules de dérivée et j'ai jamais fait une erreur de dérivée de ma vie. Ok, apprenez pas votre formule de dérivée d'une composée. Je vois ce que ça a donné à votre DS hein, pour ça. Soyons clairs, et là je vais être très clair, il me reste encore un tiers des DS à corriger. Ceux qui ont réussi leur DS, c'est ceux qui ont digéré la rédaction que je leur ai fournie. C'est ceux qui ont essayé de faire de la rédaction comme on l'a appris et qui prennent des points de rédaction même s'il y a des calculs faux. Ceux qui croient que leur vieille méthode en faisant n'importe quoi ça marche, c'est une catastrophe. Alors, voilà pour ce chapitre. Une dernière propriété du chapitre mais qui est souvent une conséquence du théorème des... Dernière propriété qu'on n'avait pas vue et qui est une conséquence, entre guillemets, du théorème des suites adjacentes, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle, c'est un théorème des suites extraites, c'est une propriété. C'était pas au programme avant la réforme, maintenant ça l'est. Donc c'est la propriété 8 du poly. C'est que, imaginez que vous ayez une suite. Alors c'est très bête, mais imaginez que vous ayez une suite UN, souvent ce qui se passe c'est ces suites-là. Alors, je vais vous faire un dessin d'une suite pour laquelle on utiliserait ce théorème-là. Imaginez que je vous propose une suite UN qui aura un dessin comme ça. Tac, 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 tac. C'est souvent pour ces suites-là qu'on fait ce genre de résultat. Est-ce que vous êtes d'accord qu'au final, la suite UN va tendre vers une limite L à la fin ? Si je fais mon dessin... Votre suite UN, elle tend vers une limite L à la fin. Et donc on peut le prouver. Mais imaginons qu'on n'ait pas de bon encadrement, qu'on n'ait pas un bon théorème des gendarmes parce que c'est une suite théorique ou quoi que ce soit. Cette suite, elle n'est pas du tout monotone. Donc on peut ni appliquer un théorème des suites adjacentes, ni appliquer un théorème de la limite monotone. Prouver la convergence d'une telle suite, c'est très compliqué. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est considérer ce qu'on appelle les suites extraites. Qu'est-ce que j'appelle les suites extraites ? Bah tiens, je vais rajouter un terme, il me manquait un terme, je vais rajouter un terme U0 ici.
C'est au lieu de considérer la suite UN, je vais considérer en rouge la suite U2N. Donc la suite U2N, c'est uniquement la suite des termes pairs, vous êtes d'accord? Donc je considère U0, j'oublie U1, je considère U2, j'oublie U3, je considère U4, je considère U5, U6, pardon, je considère U8 et je continue comme ça. Donc U2N est une suite rouge. Et à l'inverse, si je considère la suite des impairs U2N plus 1, je considère cette suite qui est ici. Vous êtes d'accord? La suite qui est là en bas, ici, 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 et ici, etc. Et l'avantage de considérer ces deux suites maintenant, c'est que ces deux suites vont être monotones. Elles sont même là dans ma situation adjacente. Et donc, on peut prouver qu'elles convergent vers la même limite. Et soyons clairs, puisqu'on a fait la somme de tous les impairs et la somme, enfin, on a fait la suite des impairs et la somme des pairs. Si la somme des pairs, enfin, si la suite des pairs va vers une limite L et la suite des impairs va vers une même limite L, la suite totale va vers la limite L. Donc c'est ce que dit cette petite propriété. Elle dit juste que si votre suite des pairs va vers une limite L et la suite des impairs va vers une limite L, alors la suite générale va vers la même limite L. Vous n'avez plus besoin de le justifier. Jusqu'à présent, on devait justifier cette propriété. Maintenant, c'est du cours. Oui, Louis. La propriété 8, elle est dans le poly, Louis. C'est de la propriété 8. Je peux pas, sinon après, j'écrase ce que j'ai déjà écrit à côté, et c'était juste pour finir ça. Voilà. On a fini pour moi le chapitre sur les suites. Il n'y a rien d'autre à faire. On a déjà fait beaucoup d'exercices. On va plutôt attaquer le chapitre sur les sommes. Oui. On le fait plus tard quand on va refaire un exo de suite adjacente avec des vraies sommes. Et en fait, ce sera avec des suites comme ça. Et ce sera posé comme ça, en fait. Ce sera montrer que les suites, on va prendre des sommes, on va les appeler SN. Montrer que les suites S2N et S2N plus 1 sont adjacentes. Parce que comme ça, ça représentera le graphe rouge et le graphe vert. Et à partir de là, en déduire que la suite SN a une limite. Donc on dira, les suites sont adjacentes par théorème des suites adjacentes. Elles ont même limite. Par propriété 8, la suite générale a la même limite. Enfin, pas d'après le cours, quoi. Pas par propriété 8, je vous ai dit, un théorème, on nomme son nom dans une rédaction, une propriété, c'est donc, parce que c'est du cours. Voilà pour ce chapitre 4. Donc, je suis désolé, le chapitre 5, vous ne l'avez pas pour le moment. Il est en repro, donc vous l'aurez, j'espère qu'il sera fini d'imprimer pour vendredi après-midi en début d'heure. Ce chapitre, somme et produit. Donc on va revoir le symbole somme et le symbole produit. On va faire plein de calculs, plein de propriétés calculatoires importantes sur ce symbole. Après ce chapitre, vous n'aurez plus rien à apprendre sur ce symbole, on maîtrisera tout. Vous n'aurez jamais de questions sur les sommes en devoir. Ce sera toujours un intermédiaire. Les sommes, ça vient pour les suites. Et les sommes, ça viendra pour après les sommes de suites qu'on appellera les séries. Et les sommes, ça viendra pour les calculs d'espérance et de variance de variables aléatoires. Donc, c'est un chapitre, ce que j'appelle un chapitre outil. Vous n'aurez pas directement en sujet, quand on aura assez avancé dans le programme, vous n'aurez jamais de questions de sommes. C'est-à-dire, il n'y aura pas écrit noir sur blanc montrer des formules de somme ou très rarement. Par contre, il y aura beaucoup de calculs de somme et savoir faire des calculs de somme, ce sera très important pour pouvoir franchir des questions de calculatoire dans plein de sujets différents. Oui, Kautar. Non, ce sera des suites qui seront naturellement définies par des sommes. C'est juste ça. Et ce qu'on appellera une série, c'est l'étude des limites de sommes de suites. Donc quand on prend une somme des UK, quelle est la limite quand la borne du haut grand N va vers plus l'infini? Bon bref, ce que je voulais vous dire, c'est que moralement, il n'y a pas grand chose dans les objectifs du programme sur ce chapitre. On va faire beaucoup plus de propriétés, notamment si je lis vraiment ce qu'il y a sur les sommes. Il n'y a que ces deux petites lignes-là. Notation sigma pi. Les étudiants doivent savoir employer les notations somme et somme, où A désigne un sous-ensemble fini de N ou de N carré. Il y a deux lignes. On va faire une semaine de calcul là-dessus, sur ces deux lignes-là. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire avec des sommes et qu'il faut que vous maîtrisiez.
Allons-y. Donc ça, je vais pas l'écrire au tableau, on va gagner un peu de temps. Je vous l'avais déjà mis dans le chapitre 4, je la remets là. Ce que c'est que la définition du symbole sigma. Alors je vais quand même le refaire ainsi un tout petit peu de l'autre côté, mais je vais le refaire à la main pour vous faire comprendre différentes notations qu'on avait revues dans l'autre chapitre. On va refaire une nouvelle page directement ici. Ce que vous allez me voir beaucoup noter pour le moment, mais ça va changer quand on fera des probas, c'est que par exemple, si je veux vous faire une somme des UK, je vais vous noter la somme pour K égale 1 à N des UK. Et ça, on a bien compris que ça veut dire, par exemple, faire U1 plus U2 plus UN. Est-ce qu'on est tous d'accord avec cette notation-là? Et à la limite, pour ce chapitre-là, c'est la seule notation qui m'intéresse. Mais à un moment, je vais passer à une autre notation qui est celle-ci, et il faudra que vous l'encaissiez dès qu'elle arrive. C'est que ça, c'est la même chose que dire je fais la somme pour K appartenant... j'ai mis M, mais c'est dans le cours, ça. À l'ensemble 1N des UK. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de dire que K commence à 1 et va jusqu'à N, je peux dire K appartient à cet ensemble-là. Or, cet ensemble des entiers de 1 jusqu'à N, on l'a aussi noté avant les vacances. La somme des K appartenant à l'ensemble entrecroché 1N des UK. Donc il ne faut pas que ça vous choque, parce que ça peut vous arriver. Notamment, ça pourra vous arriver sur des sommes doubles. Les sommes doubles, c'est quand on met deux sommes imbriquées avec deux indices différents. Non, c'est la même notion. Il faut bien comprendre que c'est juste... si on vous donne cette notation-là, faut pas dire « Oula, je sais pas faire !» Ben, tant pis pour vous. C'est cette notation-là dans votre exo, ben, vous assumez. Vous revenez à celle que nous, on va employer quasiment tout le temps, qui est celle-ci. Mais c'est une étape en plus qu'on vous demandera. On verra que cette notation-là, elle aura notamment celle-ci, aura beaucoup de sens en probabilité. Je vous mets une formule que vous avez peut-être vue l'année dernière, mais je sais pas s'ils ont été jusqu'à le mettre avec le symbole sigma. Mais la formule de l'espérance d'une variable aléatoire grand X, c'est la somme pour X appartenant à X de oméga des X fois probabilité de X égale X. C'est la formule générale d'un calcul d'espérance. Donc voilà pourquoi on va avoir besoin de cette notation-là, parce qu'on va noter indicé par x appartenant à grand X de oméga. Donc c'est vraiment plutôt la notation, c'est vraiment un équivalent de la notation qui est là-haut. Mais je reviendrai pas sur cette notation à ce moment-là. C'est juste pour dire on encaisse ça et c'est tout. Ok, donc ça c'est le symbole sigma. Comment on va avoir les propriétés du symbole sigma? En fait, il faut comprendre quelque chose. Le symbole sigma, ça fait la somme de toutes les valeurs discrètes, et vous le comprenez bien. Quand on fait somme des UK, ça fait U1 plus U2 plus UN. Donc ça fait bien une somme discrète. On a déjà vu un symbole qui fait une somme, mais continue. C'est quoi ce symbole qui fait une somme continue? Noix? Oui, l'équivalent de la somme discrète d'un point de vue continu, c'est l'intégrale. Si vous faites, en gros, pour faire un exemple simple et pour vous faire comprendre l'idée, quand je fais la somme pour k égale 1 à n des k, à ce truc-là, c'est comme si je faisais un paquet et au niveau de la case 1, donc centré sur la case, sur le nombre 1, je fais une case qui a une hauteur de 1, vous êtes d'accord? Centré sur la case 2, je fais une case qui a une hauteur de 2, centré sur la case 3, je fais une case qui a une hauteur de 3, etc. Et je vais jusque n, et centré sur n, je fais une case qui a la hauteur n. Est-ce que vous êtes d'accord que cette somme, elle peut se représenter comme ça? Parce que, quelle est la surface si je fais un truc centré sur 1 de hauteur 1? La surface de ce petit carré-là, c'est 1. La surface de ce petit carré-là, c'est 2, la surface de ce carré-là, c'est 3, etc. Donc ça va bien faire la somme des k pour 1 égale jusque n. Or, vous savez très bien que si je vous fais un graphe comme ça, maintenant, un graphe, je vais dire n'importe quoi, comme ça, s'en fiche, et que je veux aller de A jusque B, ce qui va jouer le rôle de la surface ici, c'est l'intégrale de AB de f de t dt. Donc en fait, il y a une similarité très grande entre les propriétés de l'intégrale et les propriétés de la somme.
Il y a quand même quelques différences, notamment par le fait qu'il y a des bords à la somme, alors que c'est beaucoup plus lisse sur les bords de l'intégrale. Mais moralement, l'intégrale et la somme ont énormément de propriétés similaires. Donc toutes les propriétés qu'on a utilisées sur l'intégrale, on va pouvoir les utiliser sur la somme, sauf une. Alors, donc, les symboles sigma et les symboles intégrales ont des propriétés similaires. Ah, si je vais noter des choses de la même façon pour que vous compreniez ce qui se passe. Ce qu'on note quand on met somme pour k égale m à n des uk, et ce qu'on note quand on fait le symbole standard intégrale de a à b de f de t dt, il y a des choses vraiment similaires des deux côtés. Qu'est-ce qui joue le rôle des bornes dans le symbole sigma? Ce qui joue le rôle de la borne du bas, c'est le m ici, qui a exactement le même rôle que le a ici. Le n là-haut, c'est exactement le même rôle que le b ici. Ce qui joue le rôle de f, et ça je vous rappelle aussi quelque chose, j'en profite, le uk qui est là. Je vous l'avais dit, u indice k, c'est la même chose que prendre une fonction u qui est définie sur des entiers, vous êtes d'accord? Donc ce u indice k, c'est la même chose que de le noter u de k. Donc ce qui joue le rôle de la fonction dans cette partie-là, c'est la fonction u qui est ici. Ce qui joue le rôle du k, qui est une variable muette, le k égal qui est là en bas, c'est la même chose, le k égal, que le dt. Et du coup, le u indice k qui est ici, c'est la même chose que le t ici. On a vraiment une analogie totale entre ce que c'est qu'une somme discrète et une somme continue. Est-ce que vous la comprenez, cette analogie? Est-ce que vous voyez bien que c'est la même chose? Il y a une seule chose qui va changer, c'est la relation de Schall, et on en parle après. Mais moralement, toutes les propriétés de la somme et toutes les propriétés que vous connaissez de l'intégrale, on a exactement les mêmes sur la somme. Oui, Samy? Ah, muette, ok, oui. Ah, ça, j'en parle, c'est vrai, tu as raison. Pour une intégrale, j'ai dit que le t ici était une variable muette. C'est-à-dire que l'intégrale de AB de f de t dt, c'est la même chose que l'intégrale de f de x dx. Ceci, c'est la somme pour... C'est la même chose... je remets k. Donc, pareil, de la même chose. Dans cette somme, k est une variable muette. C'est-à-dire que si je vous parle de la somme pour i égale m à n des ui, c'est exactement la même somme. Ok? Donc justement, oui, le k est une variable discrète. Ce qui est important, c'est le m, le n et le u. Le reste, c'est que du symbole, comme on a le symbole intégral. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, moralement, c'est on va avoir toutes les mêmes propriétés qu'on a pour l'intégrale. Je vais revenir sur le poli de cours. Après la définition, on a cette grosse propriété là. Alors il y a des choses très similaires et il y a des choses un tout petit peu différentes. Qu'est-ce que je cherche? Je veux changer de page, pardon. Alors, on a donc plein de propriétés algébriques de la somme, mais qui vont être pour la plupart, et notamment pour celles qui m'intéressent, les mêmes que l'intégrale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc il y a la propriété théorique que je viens de mettre au tableau, mais on va se servir des deux premières, donc la propriété d'homogénéité et de linéarité, sur un exemple très simple. Donc ces deux propriétés-là, ce sont exactement les mêmes que l'intégrale. Faisons un exemple pour comprendre tout de suite ce qui se passe à partir des trois sommes de référence qu'on doit connaître. Imaginons que je vous demande la somme pour k égale 1 à n des
3k moins 7. Par analogie à l'intégrale, on va faire une analogie pour essayer de comprendre comment ça marche. Si je vous demande, moi, de faire une intégrale, je vais dire n'importe quoi, de 1 à x, de 3t moins 7 dt, comment j'aurais fait, moi, pour vous faire ce calcul-là? Pour calculer l'intégrale. Mathis. Non, j'aurais pas mis le 3 en facteur. Ethan ? Oula, t au cube. Samy ? Ouais, mais même le 3 ? Je vous aurais fait ça, moi, personnellement. Est-ce que vous êtes d'accord que moi, je vous aurais fait ceci? C'est comme ça que je vous ai montré la plupart de mes calculs d'intégrale. Si je m'embête à vous le faire sur les intégrales, alors que vous arrêtez, enfin vous dites, mais mon prof en terminale, il faisait l'intégrale de la somme sans réfléchir. C'est parce que pour les sommes, on a exactement la même propriété, et que si on ne l'utilise pas, par contre, vous ne pourrez jamais calculer la somme associée. Donc là, comment on fait pour faire cette somme-là? Ceci, donc cette somme-là, je continue là en dessous, elle est donc égale par la même propriété. Ça va faire 3 fois la somme pour k égale 1 à n des k, moins 7 fois la somme pour k égale 1 à n des 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analogie? C'est vraiment la même chose. Et qu'est-ce qui change? Bah, c'est que maintenant, on peut la calculer, cette somme. Parce que je vous ai appris dans le chapitre précédent que la somme des cas, ça valait nn plus 1 sur 2. Et que la somme des 1, c'est borne du haut moins borne du bas plus 1. Donc ça, c'est des formules de cours maintenant. Et donc c'est exactement la même analogie que ce qu'on avait pour les primitives. Comment on faisait pour continuer le calcul ici? Ici, on avait besoin, pour continuer le calcul à cette étape-là, on avait besoin de primitive de ref. On avait besoin de primitive de référence. Ce qu'on a besoin pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là, on a besoin de somme de référence. Pour le moment, on en a 3. Dans ce chapitre-là, on va en ajouter 2 de plus. Mais c'est juste ça. Et donc, par contre, soyons clairs. Dans les intégrales, on avait des formes de référence. Vous êtes d'accord avec ça? Ça n'existe pas pour les sommes. Donc on n'ira pas plus loin que les primitives de référence. Mais c'est la même idée. Donc est-ce qu'on peut se ramener à une somme qu'on l'on sait calculer? Pour le moment, on n'en connaît que 3. Somme des k, somme des 1, somme des q puissance k. C'est les 3 seuls qu'on sait calculer. Oui, Louis. Alors, c'est dans le chapitre 4. Je dois encore l'avoir ouvert, le chapitre 4. Non, je l'ai fermé. Donc je vais le rouvrir, c'est pas grave. Je ne sais plus quel est le nom de cette propriété, mais c'est cette propriété-là du chapitre 4. Elle est où? C'est là où je définis les symboles. C'est la propriété 3. Celle qui est là-haut. On a 3 calculs de somme que l'on doit savoir faire. Et c'est exactement ça que je viens d'utiliser là maintenant. Propriété 3. J'ai utilisé la deuxième et la troisième somme de la propriété 3 ici. Soyons clairs, je peux repasser aussi dans mon chapitre 5. Non, là je suis genre dans le chapitre 4. Si je repasse dans le chapitre 5, regardez la propriété 2. Je vous ai remis les 3 sommes classiques. Et on va juste en rajouter une nouvelle. Alors. Tiens, j'en profite pour la mettre aussi au tableau de l'autre côté. J'en profite pour mettre la propriété 2 tout de suite sur le tableau. Le programme me fait rire là, sur ce terme-là. Ils n'ont pas changé le programme par rapport à un ancien programme de CS où ils disent que, en gros, la somme des k carrés, celle que je vous mets là au tableau, officiellement, elle n'est pas à connaître.
officiellement. Quand on fera les variables aléatoires, vous aurez à prendre la variable d'une loi uniforme. La variable d'une loi uniforme, elle est basée sur la somme du calcul des k carrés. Donc vous n'avez pas à prendre la somme des k carrés, mais vous devrez connaître la variance d'une loi uniforme. Je vous assure qu'apprendre cette formule-là, c'est beaucoup plus simple qu'apprendre la variance d'une variable uniforme et de savoir ramener à ce calcul-là à partir de la variance d'une variable uniforme. Donc, je vous le dis clairement, elle est à apprendre. Parce que vous n'arriverez pas à faire le chemin dans le sens inverse, c'est trop long, trop compliqué. Apprenez cette formule, la somme des k carrés de 1 à n, ça fait n, n plus 1, 2n plus 1 sur 6. En gros, on sait primitiver en somme discrète k, k carré, 1 et q puissance k. La dernière formule qui va arriver, mais qu'on verra peut-être pas aujourd'hui, c'est celle qui vous a fait bien mal l'année dernière, la formule du binôme de Newton. C'est la dernière formule qu'on verra, et avec ça, c'est les seules sommes qu'on sait primitiver. Alors, je vous ai montré les mêmes propriétés qu'il y avait de la somme, qui étaient exactement comme l'intégrale. On a aussi une propriété de Schall. Donc je reprends la propriété qui est là. La propriété de Schall, elle est similaire, mais comme je vous l'ai dit, faites attention aux bornes. Alors, comme je vous l'ai dit, il va y avoir une petite différence, c'est qu'il va falloir faire très attention aux bornes. C'est ce qu'on va voir. Je vais refaire mon analogie en dessous pour cette propriété de Schall. Je fais une nouvelle page. Juste pour vous montrer, imaginons, j'ai un nombre U1. J'ai un nombre U2. C'est pas forcément croissant. J'ai un nombre U3, j'ai un nombre U4, j'ai un nombre U5, j'ai un nombre U6. On va continuer comme ça jusque UN. Donc on est d'accord, je fais une somme discrète. Donc je veux calculer la somme pour K égale 1 à N des UK. Je vais faire la somme de ces paquets-là et de ce graphe-là. Je peux faire la même chose avec une intégrale à côté. Si je fais une intégrale à côté, ce qui se passe, c'est que si je fais une courbe comme ça, je m'en fiche réellement de la courbe, je commence à 1, je vais jusqu'à n. Si j'applique la propriété de Schall, qu'est-ce que je veux dire par la propriété de Schall? C'est que je mets un nombre c ici au milieu. Vous savez que l'intégrale... Il faut que je passe dans une autre couleur. Vous savez que l'intégrale de 1 à n... de f de t dt, par Schall, elle vaut quoi? Baptiste? Parfait. Quelle est la... Il y a une... On peut faire la même chose avec les paquets que j'ai fait de l'autre côté. Donc, imaginons... je vais changer mon 5 ici en c. Je vais mettre uc. Vous êtes d'accord? Donc, je veux faire un paquet bleu qui est la somme... Donc ça, je vais vouloir écrire que la somme pour k égale 1 à n, c'est la somme pour k égale 1 à c des uk. Et je vais aller jusque uc. Vous êtes bien d'accord? Quel est le problème et quelle est la différence? Et c'est là où il faut faire attention, Younes. Pardon? Alors justement, le problème, c'est que si tu... Oui, voilà. Alors, c'est ce que... Ne notez pas pour le moment, c'est juste pour que je vous fasse montrer ce qui se passe. Ce qu'on pourrait penser, c'est que si on applique forcément la relation de Schall, on aurait envie de marquer ça. Est-ce que vous êtes d'accord que pour faire une analogie parfaite à Schall, on veut marquer ça? Le problème de faire ça, c'est que dans ce cas-là, la partie verte, vous calculez ce terme-là en vert, plus tout ce qui est là. Et donc, vous comptez deux fois le terme, cette case-là, vert bleu, vous la comptez. Donc attention, la formule n'est pas celle-là, je vais revenir sur le cours derrière. Ici, on ne met pas C. En gros, la différence avec une somme discrète, c'est que la case UC, elle doit passer d'un côté de la somme. Donc pour la deuxième somme, on doit passer à la case, Kautar, UC plus 1, c'est exactement ça. Donc cette somme, maintenant, elle commence à C plus 1. Est-ce que ça vous va qu'on a le droit à une relation de Schall, mais qu'elle est un tout petit peu tordue? Qu'il faut faire attention que si vous mettez une borne d'un côté, il faut ajouter 1 à la borne quand vous reprenez de l'autre côté. Oui, Kautar? Est-ce qu'on a le droit de faire ça de l'autre côté?
et on fait du moins 1 de l'autre côté. Ça marche aussi très très bien. On va le voir avec des exemples, on va faire d'autres exemples de calcul et comment on peut se servir de cette propriété. Souvent, en fait, elle ne sert pas dans ce sens-là, cette propriété, elle sert plutôt dans l'autre sens où il nous manque un bout. On va rajouter une autre somme et l'enlever. Et on aura Charles qui va nous faire calculer une grande somme qu'on saura faire. On va faire un exemple, mais c'est comme ça qu'on va l'utiliser. Oui, Louis ? La différence, c'est que pour l'intégrale, tu mets le même C. En fait, tu as la même borne ici et ici. Parce qu'en gros, tu reprends de façon continue d'un côté et de l'autre. Tu as le même C aux deux bornes. T'es d'accord ? La borne du haut en C, ici, la borne qui est là, c'est la même que la borne qui est là en bas. Le problème, c'est que si tu mets une borne C ici en haut, tu as compté ce paquet-là dans la première somme. Ce paquet-là, il a été compté dans la première somme. Le paquet que j'ai mis en, que j'ai mis un gros pâté rouge, là. Donc, il a été compté dans la première somme. Donc, maintenant, si il a été compté dans la première somme, ce paquet-là, je ne dois plus le recompter dans la seconde somme. On est d'accord ? Donc, du coup, pour la seconde somme, je suis obligé de passer en C plus 1 pour passer à cette case-là. La seconde somme doit commencer à cette case-là. En gros, c'est assez bête. Si je fais un exemple un peu plus simple pour que vous compreniez. Mais si on veut noter avec un symbole sigma, U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5 plus U6. Juste cette somme-là, je vais la noter avec 2 sigma. Je peux dire que c'est la somme pour K égale 1 à 3 des... à 3 des UK. Donc ça, ça va bien me regrouper ces trois termes-là. La somme d'après, ça doit devenir la somme pour K égale 4 à 6 des UK. Donc là, la borne, elle a été décalée d'un cran, cette borne aussi. Ok ? Donc on a une propriété de Charles. Je remonte sur ma propriété. Alors, maintenant, on a d'autres propriétés qu'on va apprendre à encaisser toute la semaine, mais c'est quasiment les seules choses qu'on a à savoir faire sur les sommes, qu'on n'avait pas avant sur les intégrales. C'est ce qu'on appelle la propriété de changement d'indice ou de décalage d'indice. Alors, il y a une propriété théorique ici, qui est que la somme... Alors, je vais la réécrire un peu en dessous. Imaginons que je vais faire un dessin pour justifier de cette propriété là. Imaginons que je vous fais une somme qui commence, je commence à UM, après je fais UM plus 1, je continue, je fais une somme jusqu'à UN, donc je fais la somme de tous ces termes là, etc. Donc je considère la somme pour K égale M à N des UK. Mais on verra, pour des raisons de similarité ou pour des choses qui nous plaisent, on a peut-être envie que cette somme, elle commence pas à, à k égale m, mais on a peut-être envie qu'elle commence à i égale 1. Parce que par exemple, on a des sommes, on a des primitives de référence, des calculs de sommes de référence comme la somme des k qui commence à k égale 1. Donc on a peut-être envie de décaler l'indice. Donc si on met du i égale 1, le premier terme, comme on veut toujours que le premier terme ce soit, ça c'est équivalent entre les deux à um plus um plus 1, plus 3 petits points, on va jusque uk. Il va falloir dire, on verra comment on fait, hein, on va appliquer ça sur un exemple juste après. On va avoir envie de dire que ceci, c'est la somme des UM moins 1 plus I. Parce que comme ça, quand je commence à I égale 1, je fais bien en premier calcul UM. Quand I va valoir 2, je vais bien calculer UM plus 1. Et dans ce cas-là, pour le dernier élément, je vais devoir aller à N moins m plus 1. Et si je remplace i par n moins m plus 1, je vous assure que ça va bien faire un en borne du haut. Alors ça a l'air ultra compliqué comme ça, mais il faut qu'on fasse un exemple pour voir comment on s'en sert et comment ça marche. Mais je suis d'accord que la formule théorique, elle est compliquée. Oui, Hugo. Donc là, ce qu'on fait avec cette propriété-là, c'est pour notamment pour quand on se réfère à la propriété pour le calcul. Oui, c'est exact. C'est, en fait, voilà, c'est pour se ramener à une somme. On va faire un exemple juste après pour le comprendre, mais... On peut pas calculer la somme avec du cas M, ça. Voilà, c'est exactement ça. On va faire un exemple pour bien comprendre comment ça marche et pour voir qu'il y a plusieurs stratégies dans différentes situations. Là, je l'ai fait avec du i égale 1. Ça nous arrivera aussi de vouloir commencer à j égale 0. Si on veut faire une somme à j égale 0, on va faire du um plus j et ça ira de 0 jusque
N, tout simplement. Pardon, N-M. C'est un peu plus simple quand on veut commencer à K égale 0, mais on ne voudra pas tout le temps commencer à K égale à J égale 0. Ça, c'est la formule théorique. À quoi ça sert? On va faire un exemple assez simple, avec une idée en plus. Je vais même rajouter une question. Tiens, je ne sais pas si je l'ai mis dans le poly, cet exo. Allons voir le poly. Aussi, je l'ai bien ouvert deux fois, le chapitre 4. Ouais. Non. Je ne l'ai pas remis dans mon poly. Il n'est pas plus bas. Non. Bon, ok. C'est pas grave, on va en faire un exercice. Bah tiens. Alors, on va faire un exo en plus, c'est pas grave. Hop. Juste pour faire, on va le faire en deux temps. La question, je la mets pas d'habitude, c'est pour vous simplifier un peu la vie. Comment vous me calculeriez la somme pour k égale 1 à, je vais dire n'importe quoi, 2n moins 3 des k. Comment je veux faire ça? Ouais, tiens, des moins 5k plus 9. Hop, je fais une nouvelle page. Première question, comment vous faites pour me calculer la première somme? Ça n'a rien à voir avec les propriétés des sommes là, c'est juste une idée de logique de maths. Mathis? Oui, c'est juste ça. Est-ce qu'on est d'accord? En fait, c'est juste une analogie. On sait que la somme pour k égale 1n dk, c'est nn plus 1 sur 2. Donc ça, est-ce qu'on est bien d'accord que c'est... Si on remplace maintenant, si je fais une analogie où je mets n qui vaut 2n moins 3, est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut calculer... Ça, ça devient du 2n moins 3 facteur de 2n moins 2 sur 2. Est-ce que cette étape-là, ça va vraiment à tout le monde? C'est très important que cette étape-là, elle soit comprise, parce que ça va sinon rajouter une difficulté à ce qu'on va faire sur les sommes derrière. Mais cette étape-là, il faut bien comprendre, c'est juste de la logique mathématique. On a une variable qui s'appelle n dans le cours, on a le droit de la remplacer dans l'exercice par la variable 2n moins 3, c'est tout. Ok, maintenant comment on peut faire notre exo? Il y a vraiment deux façons de faire. Je veux maintenant calculer la somme pour k égale 4 à 2n des moins 5k plus 9. Comment on peut faire? Avant même de réfléchir à des choses compliquées, il y a un premier truc à faire. Et ça, on l'a déjà vu. Kautar? Oui, la première étape, c'est d'utiliser la linéarité de la somme. C'est-à-dire que cette somme, ça va devenir la somme des moins 5 fois la somme pour k égale 4 à 2n des k plus 9 fois la somme pour k égale 4 à 2n des 1. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Maintenant là-dedans, avant de faire les choses compliquées, c'est justement là l'étape où on peut voir est-ce qu'on a des... Normalement, vous l'avez, ce qu'on a compris, c'est l'étape où on cherche les fameuses... J'appelle ça des primitives, mais c'est pour vous faire l'analogie, vous êtes bien d'accord. On cherche des sommes de référence. Vous devez savoir ici, à cette étape-là, que ce calcul-là, c'est borne du haut moins borne du bas plus 1, donc même pas besoin de réfléchir, c'est du 2n moins 4 plus 1. Ce terme-là, il vaut celui-là en dessous. Et est-ce que vous êtes d'accord que la deuxième somme... Pardon. Pour le moment, je peux pas la traiter parce que j'ai pas de formule directe qui m'explique la formule quand ça commence en bas à k égale 4. Je vais mettre pas direct et je vais bien entourer.
Est-ce qu'on est bien tous d'accord qu'on ne peut pas calculer directement utiliser la formule parce que la borne du bas n'est pas 1? Maintenant, il y a deux stratégies d'évitement pour arriver à calculer cette somme. Alors, on a deux stratégies. Dès que vous avez un truc qui ressemble à une somme de référence mais qui n'a pas les bornes, vous pouvez tout le temps essayer de décaler les indices pour que l'indice commence là où vous avez envie qu'il commence. Alors, si je veux faire un décalage d'indice, ce qu'on va faire, et il faut connaître la méthode et il faut savoir le faire, alors, on va vouloir, je vais le mettre comme ça, on veut poser i. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on veut poser i pour que la somme commence à l'indice i égale 1? Le problème de cette somme, c'était qu'elle ne commence pas à i égale 1. Ok. C'est quoi la relation entre k et i? Il y a une relation entre k et i. Est-ce que quelqu'un peut me l'écrire? On veut que quand k vaut 4, en gros, i vaut 1. C'est plus simple en général à écrire comme ça. I, en fait, c'est quoi par rapport à k? Mathis? Non, je crois qu'il veut la main. Yanis? Alors non, attention, on fait un décalage d'indice. Donc on a le droit qu'à faire du plus ou moins. On ne peut pas faire du fois quelque chose. Donc du 4K, ça marche pas. On veut faire que des plus ou moins. On décale les indices, on les multiplie pas. Baptiste? Du coup, voilà, comme K vaut 4, I c'est K-3. On décale I égale K-3. Donc maintenant que vous avez trouvé la relation entre I et K, c'est très facile. On va remplacer les bornes et on va remplacer... tous les cas par du i plus 3. C'est-à-dire que i égale k moins 3, c'est équivalent, on est bien d'accord, si on fait plus 3 dans l'équation, à k égale i plus 3. Donc ça veut dire quoi? Et maintenant on peut faire les deux bornes si vous voulez. Donc ça c'est pour à l'intérieur de la somme. Et les bornes, bah, si k égale 4, on a bien i qui vaut 4 moins 3 qui vaut 1. Et on a bien k, quand la borne k vaut n, i va valoir dans ce cas-là, on est bien d'accord, n moins 3 non simplifiable. La borne du haut, c'est k valait 2n, excusez-moi. Donc si k vaut 2n, i va valoir 2n moins 3. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on sait que la somme pour k égale 4 à 2n des k, donc j'ai fait mes calculs de bornes ici, donc ça, ça va devenir, alors je vais réécrire le symbole sigma comme ça, mais ce qui est en vert, ça me donne bien que ma borne du bas, c'est du i égale 1. Ce qui est en rouge, ça va bien me donner que ma borne du haut, c'est du... Ça doit aller jusqu'à 2n-3. Je vous marque quelque chose, ça, au tout début où vous maîtrisez les sommes, si vous avez du mal, ça peut vous aider, je vous le mets entre guillemets, parce que vous n'avez pas besoin de le noter. Mais si vous avez du mal avec le fait qu'il y ait une borne en haut et que c'est toujours i, c'est bien i qui doit aller jusqu'à 2n-3. Donc vous pouvez mettre un i égal en haut, temporairement. C'est pas une bonne notation mathématique, mais si ça vous aide à comprendre la notation, ça me choque pas. Et donc maintenant, attention, le k, vu que maintenant ma somme ne dépend plus de k, elle dépend de i, le k doit être remplacé par du i plus 3. On se retrouve donc, là je réécris noir sur blanc ce qui se passe, avec cette somme-là.
Oh mon dieu, comment je... 2n-3, c'est un 2n-3 là-haut qui s'est mal passé. Pourquoi j'ai mis moins 1? Oh mon dieu, comment je calcule cette somme? Première chose à faire, toujours. Linéarité, on n'a pas le choix. Pour une somme, vous n'aurez pas le choix. On ne sait pas calculer comme ça. Linéarité, ceci, ça devient la somme pour i égale 1 à 2n-3 des i, plus 3 fois la somme pour i égale 1 à 2n-3 des 1. C'est trop dans le coin, c'est ça? Je vois galérer. Comment je fais? Où est le copier-coller? Comment je peux faire pour sélectionner une zone? Non. Bon bah tant pis, je peux pas le décaler. Je repars en bord de ligne pour que ce soit plus centré parce que y a du... enfin, vous avez du mal sur le côté. Comme le truc est pas centré. Comment on calcule ça? Bah je vous rappelle que la première somme, je remonte. C'est pour ça que je vous ai séparé en deux calculs. La première somme, c'est celle que je vous ai fait faire là-haut. Oui, elle est écrite en K. Mais ici, on a une somme avec un indice i et l'indice i est muet. Donc la somme là-haut en k, c'est la même que celle en i plus avant. Donc maintenant, cette première somme-là, vous devez savoir que c'est du 2n-3, 2n-2 sur 2. Et maintenant, je me retrouve avec 3 fois la somme bah, des bornes du haut moins bornes du bas plus 1. Alors, je peux simplifier un tout petit peu mon calcul ici, je vais le faire. Ça, ça me fait du 2n-3, le premier terme facteur de n-1, je peux regrouper le sur 2. Et mon deuxième terme, ça me fait du 3 fois 2n-3. Ce qui fait qu'au final, cette quantité-là, ça fait juste du 2n-3 facteur de n plus 2. Il n'y a plus de calcul de somme, c'est juste des regroupements de fractions et de choses comme ça. Donc cette somme-là, la somme qu'on devait calculer, c'est 2n-3 facteur de n plus 2. Je remonte pour ramener à mon calcul. Or, mon calcul, c'était 5 fois cette somme-là plus 9 fois une autre. Donc je vais pouvoir conclure. Je fais une nouvelle page. Donc au final... Ah, moins 5k... pourquoi je remonte si haut? C'était où? Ça faisait du 2n-4 plus 1, donc ça faisait du 2n-3. Bah, je peux encore factoriser. Ça, ça me fait du 2n-3. Facteur, je vais encore mettre des parenthèses pour que vous ne vous trompiez pas, mais ça fait du moins 5 fois n plus 2 plus 9. Ça, ça fait du moins 5n moins 10 plus 9, ça fait du moins 5n moins 1. Voilà pour ce calcul, on ne peut pas faire beaucoup mieux pour ce calcul de somme. Est-ce que ça va sur cette première idée pour ce calcul de somme, le décalage d'indice? Vous n'avez pas à connaître la formule théorique. La formule théorique du décalage d'indice ne vous servira jamais. La question, c'est quand on vous donne une somme, si vous avez envie de décaler les indices à un certain rang de départ, il faut que vous arriviez à le faire sur les exos qui vous seront donnés. C'est tout. Ok pour ça? On va en refaire d'autres, on va en refaire plein. Il faut maîtriser ces méthodes-là, mais c'est le premier décalage d'indice. Il y avait une autre stratégie sur cette somme. Oui, Louis? Oui, Louis?
Oui, c'est l'autre stratégie, c'est ce que tu parles, c'est pour une autre stratégie, ça, on est d'accord. Oui, c'est appliquer la formule de Chasles. On avait une somme qui commençait à 4. L'autre stratégie, c'est de dire, bah, notre somme, on l'a fait commencer par 1 par Chasles, et derrière, grâce à la formule de Chasles, on peut appliquer notre formule. Oui, donc c'est la deuxième méthode, on va le voir juste après, méthode 2. Méthode 2. Pour se ramener, pardon, pour se ramener à la borne du bas. Entre guillemets, je vais mettre K, entre guillemets, K égale 1. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Et c'est là où il faut comprendre les choses. Soit vous le voyez directement, et je préférais que vous le voyez directement, si c'est un peu trop dur pour vous, on peut le réécrire dans l'autre sens après. Mais moralement, la somme pour K égale 4 à 2n des K, c'est bien la somme pour k égale 1 à 2n des k moins la somme pour k égale 1. Et je vous laisse réfléchir 2 minutes à la borne du haut à mettre ici. Et c'est toute l'importance d'avoir vous fait réfléchir sur les deux bornes de la relation de Chasles tout à l'heure à des k. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Si vous m'écrivez ça directement, je ne vous dirai jamais rien si c'est par Chasles. Ça, c'est Chasles que j'utilise. Mais en gros, moralement, c'est plutôt dans l'autre sens qu'on s'en sert. La somme pour 1 égale 1 à n des k. Si on veut appliquer Chasles, on fait ça pour k égale 1 des k. Plus on fait la somme pour k égale n des k. Et ce qu'on veut, nous, ici, c'est qu'on mette un 4 ici. Et si on veut mettre un 4 ici, quelle est la borne du haut de l'autre côté, Samy? Oui, il ne faut pas se tromper. Il doit y avoir un 3 ici. Donc, ce qu'on doit mettre ici là-haut, c'est la somme pour k égale 1 jusque 3. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur Chasles. La borne, elle est prise d'un côté. Elle doit être changée de l'autre. Donc, en fait, puisque vous avez mis une borne à 4, il n'y avait que deux choix possibles à réfléchir. C'était 3 ou 5. Et ça dépend dans quel sens vous faites les calculs. Ok? Oui, Kautar? Oui, parce qu'en fait, justement, c'est pour ça que je dis que j'aimerais bien que vous sachiez le faire directement. Mais là, j'ai écrit une formule avec un moins. Alors que la formule de Chasles, on l'a vu avec un plus. Donc c'est pour ça que je l'ai réécrit entre guillemets. J'ai mis des parenthèses ici et je les remets. Parce qu'en fait, si vous écrivez votre formule de Chasles, c'est plutôt celle-ci que vous écrivez. Et comme nous, on veut calculer ce terme-là, maintenant, dans cette équation-là, on va l'isoler. Et pour l'isoler, on va faire moins somme pour k égale 1 à 3 des deux côtés. D'accord? Et c'est pour ça que les deux sommes commencent à 1. C'est la relation de Chasles, mais écrit à l'envers, entre guillemets. Et on aura toujours besoin de la relation de Chasles écrit à l'envers comme ça. C'est-à-dire que c'est toujours, il va vous manquer des termes, et vous allez vouloir vous les rajouter. Donc il va falloir, entre guillemets, la partie compliquée, c'est de trouver... Quand vous avez Chasles, la partie compliquée, la partie qui va vous demander de la réflexion et sur laquelle il ne faut pas dire de bêtises et être concentré, c'est trouver cette borne-là. Pour faire le lien entre la formule que vous connaissez, la formule que vous avez, et il y a un terme complémentaire entre les deux. Maintenant, comment on fait? Bah, ça, c'est du cours. Ça fait du 2n, 2n plus 1 sur 2. Et maintenant, il faut bien comprendre que cette somme-là, c'est une somme finie. Cette somme-là, c'est 1 plus 2 plus 3. C'est tout. Donc, il n'y a pas de problème. On peut calculer ça. Ça fait du n facteur de 2n plus 1 moins 6.
Si je reviens au calcul final qui était la somme des moins 5k plus 9, ça fait donc moins 5 fois n fois 2n plus 1 moins 6, plus 9 fois, et c'était du 2n moins 3 qu'on avait. Je vous assure que si on développe tout, on doit retomber sur la même formule que tout à l'heure. Et d'ailleurs, ça me rassure sur le fait que là, on n'a pas de fraction, et tout à l'heure, on n'avait plus de fraction à la fin des calculs. Donc, c'est assez similaire. Est-ce que ça vous va l'une ou l'autre de ces méthodes? Il faut maîtriser l'une ou l'autre, mais je vais être méchant, il va falloir maîtriser les deux. Parce qu'on va en refaire un deuxième tout de suite pour maîtriser ça. Et c'est juste vu la forme que prennent les sujets à chaque fois. Si on fait le même calcul, mais avec des q puissance k, je vous assure que ce qui est demandé dans les sujets d'un point de vue calculatoire, c'est d'utiliser le décalage d'indice. Quand on fait une formule avec des formules géométriques, le but en général est de mettre quelque chose en facteur. Donc en général, ce qui vous sera demandé, c'est de trouver le premier terme et donc de mettre enfin de faire le calcul avec la méthode en facteur. Donc on va reprendre les deux méthodes, mais sur un exo un tout petit peu plus technique. Faisons un autre exercice du même genre, exo. Oui. Comment on a trouvé le k égale 4? Alors, oui, j'ai mis des n alors que je voulais mettre des 2n d'ailleurs. Ça aurait plutôt été avec des 2n ici, ça aurait été mieux. Ça change pas grand-chose à l'explication, mais je vais. Alors, je vais entourer en bleu ciel. Est-ce que tu es d'accord que ce que je viens d'entourer en bleu ciel, c'est ce qu'on veut obtenir parce que celle-là, c'est notre formule de cours et on peut l'appliquer. Ce que j'ai encadré ici en rouge, c'est ce qu'on a. Donc, j'ai pas le choix, c'est ce qu'on me demande de calculer. Donc, toi, ce que tu veux trouver. C'est juste la somme qui fait le lien entre les deux. Et maintenant, la seule chose, c'est par la formule de Schall, qu'est-ce qui marche? En gros, ce qu'il faut résoudre, c'est que là, dans ta formule de Schall du cours, ici, ce qu'on a en bas, c'est du k égale c plus 1. Donc, dans ta formule de cours, tu sais que le c plus 1 vaut 4. Si c plus 1 vaut 4, c vaut 3 et on a la borne qui est là-haut. Ok? Alors, allons-y. Alors, je vais même changer la question. On va chercher à calculer ça, mais je vais même vous rajouter montrer que. Alors, j'espère que je ne vais pas me tromper en le faisant de tête. Premier terme, donc ça va me faire du 1 huitième. Je veux montrer que ça fasse 1 huitième. Non, je vais faire la simplification directe, donc ça me fait du 1 demi, donc ça me fait du 1 demi, donc ça me fait, je vais mettre du 1 quart plutôt. Voilà. Bon, je l'ai fait de tête. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Mais pourquoi je vous dis montrer ceci? Parce que là, on va voir que pour obtenir cette forme-là du calcul, la relation de Schall est moins utile que le décalage d'indice. Parce que pour que ce 1 quart arrive en facteur, en fait, c'est un huitième qui va se simplifier. Le décalage d'indice est bien meilleur que la relation de Schall. On va faire les deux. Mais on va voir que pour ça. Pour les calculs avec des puissances, il vaut mieux utiliser le décalage d'indice. Donc allons-y. On va commencer par la bonne méthode, on va faire le décalage d'indice.
Alors attention, j'entoure ça parce que c'est ça qui est important. Je vais mettre une valeur dedans. Je veux que ma nouvelle somme, elle commence à quelle valeur pour cette somme-là? Faut connaître votre cours, la somme des q puissance k. À 0. La somme des q puissance k dans le cours, elle commence à 0. On veut i égale 0 pour se ramener. Alors je vais le faire en dessous le décalage d'indice, enfin les petits calculs intermédiaires dont j'ai besoin pour mon décalage d'indice. Hop, on va remonter. Voilà. Si je veux commencer par i égale 0, c'est quoi le lien entre k et i? C'est pas dans ce sens-là, en général on l'écrit plutôt dans l'autre sens, c'est la nouvelle variable. I, on va vouloir que ce soit k moins 3. Est-ce qu'on est tous d'accord? C'est un décalage, on peut pas multiplier, c'est juste une différence. Donc ça va être du k moins 3 i. Ce qui va être équivalent à dire que k, ça vaut i plus 3, vous êtes d'accord? Donc maintenant cette somme, elle commence bien à i égale 0. Elle allait jusqu'à 2n. Donc maintenant elle va jusqu'à... là-haut jusqu'à 2n moins 3, on est bien d'accord. Je fais le décalage de borne, i va jusqu'à 2n moins 3. Et maintenant le 1 demi puissance k, il est remplacé par 1 demi puissance i plus 3. Donc voilà, je vais recopier plus bas ce qui s'est passé. On a donc somme pour i égale 0 jusqu'à 2n moins 3 des 1 demi puissance i plus 3. Alors là, maintenant, j'ai un problème. Oui, Simon. Alors, parce que ça, c'est la formule de cours. Si je reviens sur... propriété 2. Si tu regardes la formule, on a du 1 demi puissance k. Donc, est-ce que tu es d'accord que c'est la somme des q puissance k? Avec q qui vaut 1 demi. Donc je suis sur la troisième formule qui a ma première ligne là-haut. Est-ce que tu es d'accord? Dans la propriété 2. Cette somme, elle commence à k égale 0. Donc là, quand il va falloir apprendre vos primitives de référence pour les sommes, il va falloir les apprendre avec les bornes. Parce que sinon, vous allez avoir faux. Donc ici, on veut absolument ramener la borne du bas à k égale 0. Ok? Donc k ça vaut i plus 3. Non, c'est pas cette fenêtre là. J'ai un problème, c'est que maintenant, si j'avais du i à l'intérieur de ma somme, je pourrais calculer ma somme. Mais j'ai du i plus 3. Là il faut que vous connaissiez vos propriétés des puissances, il n'y a pas le choix. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de 1 demi puissance i plus 3? Louis? Fois 1 demi puissance 3. Donc ne pas rater cette étape là. Ceci c'est la somme de 0 à 2n moins 3 des 1 demi puissance i fois 1 demi puissance 3. Et maintenant ce qu'on gagne c'est que 1 demi puissance 3 ne dépend pas de i. C'est donc une constante qu'on peut sortir de la somme par linéarité. Donc ceci par linéarité, ça fait du 1 demi puissance 3 qui va faire du 1 huitième. Et je vais me retrouver que la somme pour i égale 0 à 2n moins 3 des 1 demi puissance i. Et donc maintenant je peux passer à mon étape dite de primitivation. Enfin où je primitive. C'est-à-dire que là je peux calculer ceci, c'est une somme de référence. Vous devez savoir que cette somme-là c'est 1 moins... q puissance nombre de termes, donc ça va me faire du 2n moins 2 sur 1 moins la raison. Donc ceci ça fait du 1 huitième fois, si je mets tout sur le même dénominateur ici, ça va me faire du 2 puissance 2n moins 2 2 puissance 2n moins 2 moins 1. Et en bas, 1 moins 1 demi, ça me fait du 1 demi.
Et donc si je simplifie définitivement ce calcul, le 1 huitième divisé en bas par 1 demi, je vous assure que ça va faire du 1 quart. Et derrière, il va me rester du 2 puissance 2n moins 2 moins 1 sur 2 puissance 2n moins 2. Et donc, par la méthode de décalage d'indice, j'ai directement la forme que voulait l'énoncé. Et très souvent, pour les calculs de q puissance k, ce sera demandé sous forme factorisée comme ça, avec du décalage d'indice. Si vous faites châle, et je peux appliquer châle derrière, ça me va aussi très très bien, vous aurez un petit travail de calcul derrière pour arriver à la forme de l'énoncé. Mais est-ce que ça va pour ce deuxième décalage d'indice? Je remonte un tout petit peu, je descendrai après, c'est pour reparler du décalage d'indice. Je commençais à k égale 3, je vais arriver à i égale 0. Ce que je dois poser, c'est i égale k moins 3. Est-ce que ça va à tout le monde, ce décalage-là? Il faut le comprendre. C'est à vous de le trouver, à vous de le poser quand vous aurez des petits problèmes comme ça. Et donc après, bah, c'est juste appliquer les formules classiques du cours. Si je fais la méthode 2 par châle... Ça a commencé, ma somme, elle commençait à 3 à 2n, c'est ça? Non, ça commençait à... Si, 3 à 2n. Si je fais la somme des 3 à 2n des 1 demi puissance k, ce que je veux... Alors, je rappelle, on a... On veut, qu'est-ce que je dois enlever entre les deux? Je vais réécrire la formule. Je mets entre parenthèses parce que vous n'êtes pas obligé de faire l'étape intermédiaire. J'aimerais bien que vous sachiez faire l'étape sans l'étape intermédiaire, mais je comprends que pour les premières fois, c'est un peu compliqué. Donc officiellement, ce que j'ai mis en dessous, entre parenthèses, la relation de châle, c'est comme ça qu'on doit l'écrire, mais il manque deux bornes ici, et je veux que vous m'écriviez, que quelqu'un essaye de me trouver les deux bornes qu'il y a là en bas. Et donc en même temps, c'est la même chose, trouver les deux bornes qu'il y a là en haut, hein, c'est la même somme. J'ai juste rééquilibré. Théo? Oui, ça va être la somme pour k égale 0 jusque 2. Est-ce que ça va aux autres, ça? Ça va de 0 à 2 qu'il faut enlever vu que l'autre somme commence à 3. C'est encore une fois le décalage de la bande de châle. Toujours ne pas se faire avoir par le décalage de la bande de châle. Et donc ça... je repars du coup sur mon calcul plutôt. Parce que là, j'ai mis une phrase de parenthèse. Donc... Alors, je vais souligner ce que je fais. Ce terme-là va devenir là en bas. Bah, je peux le calculer directement. Hein. C'est du 1 moins la raison puissance le nombre de termes, donc 2n plus 1, sur 1 moins 1 demi. Et derrière, il me reste moins la somme pour k égale 0 jusqu'à 2 des 1 demi puissance k. Je vais aussi le calculer directement, ce terme-là. Je vais le souligner en rouge. Ce terme-là, ça va me donner, bah, je vais le réécrire quand même, 1 demi puissance 0 plus 1 demi puissance 1 plus 1 demi puissance 2. Ça, je ne l'ai pas calculé. 1 plus 1 demi plus 1 quart. Le dénominateur commun, c'est 4. Donc, ça va me faire du 4 plus 2 plus 1.
Et vous voyez le problème? Ce calcul est bon, hein. Ce calcul est correct à 100%, mais regardez cette expression-là. Si la question, et je remonte un peu et je redescends pour que vous puissiez recopier, mais si la question avait été ce que j'avais mis au début, montrer que ça fait un quart de la formule donnée. Ici, il n'y a plus de notion de calcul de somme, mais il faudrait montrer que tout ceci, ça peut s'écrire du 1 quart avec du 2n-2 en puissance. Donc il y a une deuxième étape de calcul pour montrer que ce nombre-là est égal à l'autre nombre. Ça marche, c'est vrai, mais il faut faire des facteurs, il faut mettre du 1 quart en facteur et faire apparaître des puissances et de mettre tout au même dénominateur. Ça prend 3-4 lignes de calcul en plus. Et 3-4 lignes qui font appel à des fractions, des puissances, vos deux thèmes préférés. Donc dès qu'il faut essayer de faire apparaître une somme sur des q puissance k, je vous invite à toujours décaler les indices plutôt que faire chal. Dans les autres cas, ça marche pareil. Mais pour des q puissance k, il vaut mieux tout le temps essayer de décaler les indices. C'est une meilleure technique. C'est juste que, vu ce qu'on va vous demander, sauf cas exceptionnel, ça sera une meilleure technique. Il y avait une main levée? Non, c'était vous avez répondu parce que je voulais savoir dans quel cas on utilisait l'aide. En gros, moralement, dès que ça implique des produits, donc des q puissance k, ou quand on aura des factoriels, c'est plutôt le décalage d'indices. Dans tous les autres cas, faites ce que vous voulez. Donc moralement, si vous faites tout le temps du décalage d'indices, ça marchera tout le temps. Mais chal peut être aussi une bonne idée parfois pour avoir d'autres simplifications. Enfin, c'est pas à retirer non plus. Mathis. Oui. Oui. Si, justement, 3 à 2n, tu peux pas la calculer. Mais tu peux calculer de 0 à 2n. Et 0 à 2, c'est une somme finie. C'est-à-dire que tu peux enlever le symbole sigma et écrire tous les termes. Il n'y a pas besoin de 3 petits points pour aller de 0 à 2. Donc, au contraire, c'est... Puisqu'on ne sait pas calculer cette somme de 3 à 2n, on veut retomber sur celle de 0 à 2n parce qu'on peut obtenir la formule. Le seul écart entre les deux, c'est la petite différence de 0 à 2 que j'ai mis là. Donc moralement, on peut calculer ce que je vais souligner, la somme noire, qui est ici. On peut la calculer comme la somme bleue dont on connaît la formule qui est là en bas, moins la somme rouge dont on connaît la formule qui est là en bas. Est-ce que tu es d'accord? Il y a une ligne de parenthèse entre les deux, hein. Ce calcul-là retombe sur ce truc-là, ce calcul-là retombe sur cette ligne-là. Et donc ce calcul-là à gauche me donne ça. Ok? Il y a une ligne intermédiaire qui était pour écrire chal proprement, mais qui n'est pas obligatoire si vous avez compris comment on fait chal. Ok? Bon. Oui? Parce que ce qu'on cherche à calculer, on n'a pas le choix. Là, c'est l'exercice qui nous le demande. Quand tu auras un sujet, en gros, si je reviens à mes sommes de proba, si ton expérience de proba, la première réalisation de la variable, c'est 2, enfin, c'est juste pour expliquer les choses, ta somme, elle commencera à k égale 2. Et donc, puisque toutes nos sommes de référence commencent à k égale 0 ou k égale 1, faudra faire des décalages d'indices à chaque fois, ce genre de choses. Ou ça, ou chal, bien sûr, l'un ou l'autre. Ok? Il est l'heure.